Pourquoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui s'est arrivé? J'ai échoué mon test d'anglais, papa, et elle m'a dit que ma note n'est pas bonne. Laisse-moi en occuper, je vais parler à la professeure de la soirée des parents enseignants. Merci, papa! Salut, je suis le père de Gabryelle Songui et dans votre classe, mais sa note était terrible. Ah oh oui, la belle petite fille. Tu peux voir où elle reçoit sa village de maintenant. Merci. Merci. Je sais qu'elle a échoué dans la classe, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour améliorer sa note? Pas vraiment. Elle a échoué tous ses devoirs et elle n'a fait aucun correctement. Mais je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas laisser mon enfant être un échec. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Voulez-vous sortir avec moi? Quoi? Une nuit avec moi et je vais essayer de le faire passer. D'accord. Victoria, est-ce que c'est vraiment toi? Paul, ça fait tellement longtemps que je t'ai vu. Tu travailles à Apple, où travailles-tu? Je travaille à l'hôpital Montréal pour les enfants. Et quand je ne travaille pas, je voyage. Es-tu mariée? Non, es-tu? Non, elle m'a parti, mais j'ai une petite fille. Oh wow, c'est cool, je devrais la rencontrer un jour. Oui, c'est une bonne idée. Voici mon numéro de téléphone. Merci, à bientôt. Oui. Victoria! Peux-tu garder ma fille lorsque je sors ce soir? Bien sûr, j'ai hâte de la rencontrer. Parfait, merci beaucoup. Tes cheveux sont très belles et tes yeux. Bien, merci, Paul. Où as-tu fait tes études? J'ai fait mes études à McGill et aussi j'ai enseigné à Paris pendant 3 ans. Voulez-vous de l'eau? Oui. Et vous, madame? Oui, merci. Ça, c'était amusant, mais je suis fatiguée. Est-ce qu'on part? Salut, vous deux. Avez-vous eu du plaisir? Oui, papa. On a cuisiné ensemble et Victoria a peint une maison. Comment est-ce qu'elle était? Très bien, elle était vraiment gentille et amusante. Gabi, je suis content avec toi, mais c'est l'heure d'aller dormir. Ok, bonne nuit papa, bonne nuit Victoria. Et merci Paul pour la bonne soirée, mais je dois partir. Bonne nuit. Regarde qu'est-ce que j'ai trouvé. Oh mon Dieu, c'est notre ancien yearbook. Durant l'école secondaire, depuis la 7e année, j'étais amoureux de toi. Moi aussi, j'ai même écrit ce poème et je ne te l'ai jamais donné. Depuis la 7e année, j'étais amoureuse. Je t'ai vue et ma vie a changé. Avec tes cheveux bouclés et tes lunettes noires, tu es la plus intelligente de tout le monde. Quand tu m'as donné le collier, mon cœur faisait boum. Et depuis ce jour, je rêve toujours de vous. Quel beau poème. J'ai encore le collier que tu m'as donné en secondaire. Vraiment, je me rappelle que j'étais tellement nerveuse pour te le donner. Bonjour.